Lapinatélé, Lapinou, j'espère que vous allez bien. Hein, alors aujourd'hui, on est plutôt sûr de la pluie. Ça s'est quand même largement bien radouci. Mais il pleut. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va faire l'échange de bébé. J'ai une autre tenue pour Lulu, qui était à Laura à la base, et qui passe à Lulu maintenant. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour le petit Léo. Voilà, avec le petit Léo, le petit chapeau de Léo. Voilà. Donc, le compte à rebours est commencé, hein, puisque à la fin de la semaine, ce sera Noël. Et oui, messieurs, dames. Donc, on va y aller tout de suite maintenant. Et puis, demain, je vous ferai vidéo, peut-être deux. Ouverture de calendrier de l'Avent, je pense, et puis le tricot. Alors, mes amis, je suis à fond. Mais alors, quand je vous dis à fond, je suis à fond dans le tricot, le tricotin. Alors, entendons-nous bien. Le tricotin, c'est le petit. Sinon, c'est quand ils sont en longueur, c'est un métier à tisser. Et c'est à tisser la laine, mais à tisser quand même. Donc, vous pensez bien que je vais sûrement me commander aussi les longs. J'ai vu des choses magnifiques. Je ne fais que regarder des chaînes YouTube. Je ne fais que ça. J'adore ça. J'adore travailler de la laine, vous le savez. Et pour les bébés, bah, ça va être top, top. Alors, je vais peut-être vous montrer tout de suite Léo. Il est à mon pépère. Oh, mais il est trop mignon, Léo. Attends, mon bébé. Oh là 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 là. Regardez. Alors, je lui avais fait son petit chapeau avec le petit cercle. Voilà. Mais il était trop petit. Hein, mon titi, il était trop petit. Bah oui, il était trop petit. Alors, du coup... Je lui ai fait comme une petite casquette, on va dire, avec les petites oreillettes sur les côtés. Voilà. Et puis, qui se noue sous le petit menton. Comme ça, c'est assorti à sa petite brassière. Hein, mon cœur. Voilà. Et comme ça, il a bien chaud partout. Voilà. Il est prévu que je fasse aussi une couverture et d'aménager bien leur petit coin bébé. Voilà pour le petit Léo. Allez, mon bonhomme. Léa, elle est emmitouflée dans son nid d'ange. Attendez, c'est pas facile. Voilà, regardez. Elle est emmitouflée dans son petit nid d'ange. Hop, elle en perd sa totote, la pauvre. Voilà, et puis on faudra qu'on la change. Mais je n'ai pas d'habit de Noël pour les petits bouts de chou. Mais c'est pas bien grave, ça c'est un idange que j'avais fait il y a quelques temps. Voilà, ça sert aussi de couverture. Elle est trop mignonne. Franchement, elle est trop mignonne. Qu'est-ce que tu as fait avec ton petit doigt là? Qu'est-ce que tu as été ramassé? J'arrive pas à l'enlever. Et elle a vraiment des petites allures de bébé. Elle est vraiment trop chou. Ils sont adorables les deux. Franchement. Hein, ma petite puce. Bah oui, hein. Oh, je te réveille. Je te réveille. Alors non, on n'est pas des folles folles. Hein. Un petit peu peut-être. Mais... Mais simplement, voilà, l'esprit maternel, on l'a toujours. Même si nos enfants sont grands, et même très grands pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est toujours un plaisir. De toute façon, quand on a une passion, on a une passion. Alors, je vais descendre la caméra, et puis on va s'occuper de la Miss Lulu, là, qui est derrière, et qui me taraude. Je perds un chausson. Non, tu perds pas. Ah si, tu le perds.
Oui, maman. Moi, je m'amuse. Hop, 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 hop. Non, on ne va pas les enlever comme ça, Loulou. Dis bonjour. Bonjour, les amis, les lapinettes et les lapinots. Vous allez bien? Parce que moi, je vais super bien. J'attends le Papa Noël et il va m'amener des joujoux, j'espère. Bah oui. Pourquoi tu parles comme un robot? C'est quoi un robot? Bon, peu importe. Ah, si je veux la réponse, j'aurais qu'à attendre demain, peut-être. Voilà. Eh ben, maman, elle est contente. Bah oui. Parce que c'est Noël qui arrive. Et puis, ils vont passer Noël avec tonton Stéphane. Et on est content. Et t'arrêtes de déchaîner. Ouais, je suis déchaînée. Maman, elle a fait des chapeaux. Elle a dit que c'était tout pour moi. Je suis contente. Ah, la mère. Ben oui, t'as l'air en tout cas. Hein? Oui. Bon, on y va, ma petite? Oui, ma grande maman. Oh, ben oui. Oh, ben dis donc. Je me demande même si tu sais, tu as besoin des coussins parce que tu es une grande fille, toi, maintenant. On va relever un petit peu. Hein? T'en penses quoi? Ah, c'est très bien, ça. C'est très bien. On va retirer les petits chaussons, attends. On va commencer par les petits chaussons. Oui, maman. Parce que les petits copains, les petites copines, ils se sont changés déjà. Ben moi aussi, maman. Ben oui, tu t'es changé, c'est vrai. Alors, attends. Est-ce que tu sais, cette tenue-là, elle se défait par le bas. Oui. Je vais te changer. Hop. Ah ouais, t'avais même des petites chaussettes parce qu'il faisait froid. Oh oui, maman, il faisait froid, dis donc. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faisait froid? Hé, maman, tu me secoues dans tous les sens. Attends, Lulu. Maman, oui, mais j'en vois rien. Arrête, petit démon. Mais... Oh, j'arrive. Je vais changer ton petit body, puis on va le mettre à laver. Je vais faire des rayons exprès avec vos vêtements. T'as attrapé toutes les pluches. Maman, oui. Regarde, on dirait une fourmi. Oui, c'est vrai. Attends, il n'y a pas des petits boutons derrière? Non. Attention aux boucles d'oreilles. Aïe, 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 aïe. Oh, ma chérie. Aïe, 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 aïe. Oh, ma chérie. Aïe. Ah oui, elle a dit tant, c'est difficile à mettre. Oh, ma dit tant. Oh, bah, je suis pas... Je suis assommée. Mais non, t'es pas assommé. Si, je suis assommé. Non, oui, c'est pas facile, hein. Non. C'est plus facile l'autre. Oui, oui. C'est plus facile l'autre. Oh, bah alors. On retire le body. Oui. Je vais te retirer aussi les chaussettes. Ça te fait rire? Oui. Ah bah dis donc. Si ça te fait rire. Si ça te fait rire, voilà, on va laver tout ça. Allez, ma puce. Quand est-ce que tu vas me lester? Oh, mais dis donc, tu vas avoir des dents, là, ou quoi? Hein, c'est tout gonflé. Ben, je sais pas, bientôt. Ah oui. Bientôt. Ouais. Ouais, bientôt. Oh oui. Attends, je regarde comment est le petit body. Ouais, faut qu'il soit comme ça. Hein. Oui. Du coup, tu vas pas le faire? Je sais pas. Ça y est, t'es toute nue. Oh, je me cache. Je me cache. Ah ouais, quand elle se cache, elle fait pas semblant, la petite, là. Tu vas étouffer? Non. Si, tu vas étouffer. Non. Attends. Hop. Coucou. Oh,
m'avez cru. Ah là là, je rigole. Je vois bien que tu rigoles, mais on va s'habiller quand même. Oh, oui. Allez. Encore. Oui, mais là, ça va passer tout seul. Non, je veux pas. Si, retire ta main. Non, retire ta main. Non, j'en veux pas. Mais arrête, j'en veux pas. Mais si, t'es trop belle dedans. Mais c'était à Laura. Ben oui. Mais Laura, elle a d'autres tenues. Ah bon? Oui. Elle a d'autres tenues. T'inquiète pas. T'as bien vu, Mampa, elle lui donne plein de jolies robes. Oui. C'est Mampa, parce que moi, c'est Toto Dylan. Ouais, c'est Toto Dylan pour toi. C'est Chouchou pour moi. T'as beaucoup de noms, tu sais. Bon, oui. Parce qu'on l'aime bien. Oui, on l'aime bien. On l'aime bien. Je descends un peu parce que si on ne le voit pas. Coucou. C'est drôle comme ça. Oui, c'est drôle. Oh là là. Ouais, c'est de la torture un petit peu. Hein. Oh bon, oui. Oui, mais qu'est-ce que tu vas être jolie. Qu'est-ce que tu vas être belle. On va bien descendre ça. Oh là là. Attends, on va remonter un petit peu les manches. Hop. Tu vas tricoter aujourd'hui? Oui. Tu vas montrer? Ben, je vais montrer pas tout de suite, non. Ah bon? Mais oui, je montrerai. Ils aiment bien le tricot? Ben, je... Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que oui. Mais toi, t'aimes bien? Oui, moi j'aime bien. Mais c'est cool. Ouais, c'est assez cool. Je suis un petit peu gros, mais ça va quand même. Hein. Oh là là. Mais regardez-moi cette petite beauté. Ah oui, je suis une beauté. Je te mets les manches bien droites. Moi, je t'aime beaucoup aussi dedans. T'es trop belle. Et maintenant? Et maintenant quoi? On met quoi dans les pieds? Oh, t'es mignonne. Eh ben, on va mettre les chaussettes. Attends, tu as ça. Tu as des petits bas. Comme les dames. On n'a pas. Si, mais j'en mets pas l'hiver. C'est... Je mets des pantalons. Ça, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Alors, attends. C'est plein de froufrou. Plein de froufrou. Comme ça, t'auras pas froid. Oh, ben non. Hop, jusqu'en haut. Je te le retrousser un petit peu. Mais qu'est-ce que tu es jolie. J'adore tes petits pieds. J'adore tes petits pieds. Tu chatouilles. Ah bon, excuse-moi. Désolée. Oh, c'est beau là-haut. Ah bon? C'est un plafond? Ouais, mais c'est beau. Ah bon. Allez, mets le petit bouton. Hop. Alors j'ai vu que sur une vidéo, alors je sais pas de quand elle est cette vidéo, c'est ça le truc, donc je peux pas vous dire si, mais je crois qu'il y a des nouveaux kits qui sortent, des reborn officiels, et le corps est entier. Je sais pas, si vous connaissez, vous me le direz. Le corps est entier. Pourquoi nous, on a moitié? Non. Non, mais vous avez un body. En suédois. Alors que là, le corps est comme les bras, les jambes. Ah ouais? Eh oui. Oh, bah, chien. Et c'est bien? Ben, ouais. Je pense. Je pense que c'est bien. On va te mettre les petits chaussons.
J'essaie de te les passer en haut. Tu es un peu grand, hein, les chaussons. Oui. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Oh oui, dis donc. T'as des tout petits boutons, toi. Du coup, ils sont tout petits. Attends, ça fait rien. Tu tortillonnes ? Ouais, c'est ça. On va faire un joli nœud. Hop. Oh, c'est beau. Oui. T'as des beaux yeux. Merci, maman. Ben, de rien. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui aiment Lulu. Hein. Ah oui? Oui. Alors c'est un bébé que j'avais acheté sur Amazon. Et j'avais eu le coup de cœur pour ce bébé. Et c'est vrai que ouais, j'ai toujours le coup de cœur. J'avais des coups de cœur aussi pour les autres, mais le problème c'est que il faut habiller tout le monde. Hein. Et moi, je suis pas Rothschild. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Donc. C'est joli. Oui. C'est très, très beau. Je vais te coiffer. Oui. Voilà, ma petite chérie. Regarde-moi ça, comme tu es belle. Oh oui, je suis belle. Un petit peu comme ça. Oui. Attends. Je te coiffe. Puis on va mettre le bonnet rouge. Que tu sois toute belle. Voilà. Ça te plaît? Oui. C'est bien. Hop, et c'est derrière. Attends. Voilà. J'adore avec le petit pompon sur le côté. Sur les chapeaux, tu vas mettre des fleurs ou des pompons? Je sais pas. Je vais mettre peut-être des petites fleurs. Je vais faire des petites fleurs au crochet. C'est mignon aussi. Oh oui. Tu peux me donner un jouet? Oui, tu veux quoi? Je sais pas. Je sais pas. Tiens, regarde. Tu vas tomber. Non, regarde. Hop. Oh, mais tu es quand même un sacré grenouille. Hein. Tiens, tu prends ton jouet? Oui. Tu veux Marie? Allez, clochette, Marie. Oui. Maman? Oui. Tu peux me tenir Léo? Eh ben Léo, c'est pas un jouet. Ben non, je voudrais dans mes bras. Ah bon? Tu le veux dans tes bras, Léo? Oui. Ah, c'est trop mignon. Attends, je vais remonter un peu la caméra, alors. Viens, mon petit Léo. Tu fais attention, hein? Oh oui. Il est lourd, hein? Oui. Tiens. Hop. Oh. Oh, ben dis donc. Attends, on va le mettre de l'autre côté. Comme ça, on va le voir. Attends. Attends, un petit peu ici, là. Hop, mettre comme ça, mets-toi bien au fond, comme ça. Tu peux me donner Léa? Oh non. Pourquoi? Ben parce que je te donnerai Léa quand tu n'auras plus Léo. Ah oui, regarde. Regarde. On n'est pas beau. Ah si. Si, on va prendre une jolie photo. Ah oui. Oh. Fille Doudou, Léo, mon petit frère, fille Doudou, t'auras du lolo. Oh, c'est trop mignon. Oui, je l'aime, mon petit frère, moi. Bah oui, bien sûr que tu l'aimes, ton petit frère. Hein? On va faire un petit chapeau, c'est pour Léa. On va le faire un peu plus grand, je pense. Oui. Tu vas faire des couvertures pour qu'on ait chaud. Oui. Maman va peut-être laisser les abonnés maintenant. Déjà? Oui. Oh, d'accord. Oh, t'as l'air d'avoir sommeil, toi. Oui, je vais faire un dodo aussi. Avec Léo. Non, Léo, il va dormir dans son lit.
Comme ça, il ne peut pas tomber. Bon, oui. Dormir avec Léa. Oui. Oh, bon, c'est bien. Oh, ben, écoute. Oh. Ben, tu sais, hein, moi, j'aimerais bien voir Zoé. Ben, oui, mais qu'est-ce que je te dis Tata Loka, là, elle nous fait du n'importe quoi, là. Elle nous fait du n'importe quoi, Tata Loka. Bon, Tata Loka, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Ben oui. Alors, elle devrait nous montrer Zoé, ce serait rigolo. Ben oui. Ben elle est malade. Zoé? Non, Tata Loka. Ben oui, elle est malade, mais... Tata Loka, faut te secouer. Quand même. C'est pas le calendrier des petits bobos. Je te l'ai dit déjà. Oui, Tata Loka. C'est pas le calendrier des petits bobos. Alors tu vas secouer tes fesses. Oh, mais dis donc. Quoi? Ben, on dit pas tes fesses. Comment ça s'appelle alors? On dit pas tes fesses. Oh, bon, mince alors. Oh, maman. Oui, il est lourd, Léo. Bah oui, il est lourd, Léo. Il est lourd, Léo. Oh, oh, tu bébé. Allez, mon bonhomme. Oh, maman va le prendre. Voilà. Puis on va lui donner son biberon tout à l'heure. Oui. Mais où t'as traîné tes doigts? Ma parole. Ah, t'as mangé un gâteau? Oui, j'ai mangé un gâteau. C'était pour les gâteaux que maman l'a fait hier. Elle l'a mis sur Facebook. 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 Book. 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 Et ben c'était bon. Ben oui, tu les as bien mangés, dis donc. Oui. J'en ai goûté un quand même. Ben oui. Léo et Léa, ils en ont pas eu. Non, ils sont trop petits. Les gâteaux? Non. Les bébés. Ah d'accord. Bon, on va mettre ce petit bonhomme là au lit avec sa sœur. Et puis toi, tu vas te recoucher un petit peu. Regarde, tu perds un petit peu ton chausson. Oui, un petit peu grand, maman. Bah oui. Moi, je mettrai un petit peu de rembourrage dedans. D'accord. On dit au revoir. Oui, au revoir les lapinettes et les lapinous. Et on reviendra. Oui, c'est fort possible, oui. Ah, d'accord. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne nuit. Ou une bonne nuit. Ou un bon 4 heures. Ou un bon 4 heures. Ou rien du tout. Ah, bah si, parce que ça, c'est pas gentil, hein. D'accord, c'est gentil. Bon, allez, ton frère s'impatiente. Oui. Tu vas lui faire un pompon. Ouais. Pour finir le petit travail, je sais pas, mais... Oh, il est mignon comme ça. Il est trop mignon, ce petit bébé. Oh oui, il est mignon. Voilà, il a sa petite brassière et tout. Voilà. Et ce soir, on mettra en pyjama. Oui. Tu vas lui faire d'autres vêtements? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, maman. On dit au revoir. Oui, ben oui, on dit au revoir. Attends, je vais mettre un petit pompon. Au revoir les lapinettes et les lapinous. Au revoir les lapinettes et les lapinous. Attendez, je vais me mettre à côté. Hop, voilà avec mon petit bonhomme. Prenez soin de vous. Préparez bien les fêtes parce que ça va arriver très très vite. Et puis, bah écoutez, on se retrouvera. Honnêtement, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre les tricots et tout ça. Dites-moi, parce que je vais m'orienter un peu vers ce domaine. J'ai toujours aimé la laine, de toute façon. Et je pense que... oui, je vais faire pas mal de choses avec la laine. Voilà. Je vous fais des bisous et des bisous et des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.